Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Star Wars Old Republic. Il est temps de recruter Gustano avec la quête Lueur dans les ténèbres. Et pour ce faire, nous allons d'abord parler à Sanarei. Comme je l'avais prédit, vous me trouvez en plein moment de perplexité. Quel est le problème? Mes yeux cherchent ceux qui pourraient vous aider. Interpréter mes propres visions reviendrait à semer le doute. Je peux m'improviser interprète. J'ai vu un homme. Il scintille dans la lumière, mais se trouve dans les ténèbres. Ses yeux sont grands. Il regarde dans deux directions différentes. Il s'embourbe au centre, incapable d'aller de l'avant. Vous êtes certain qu'il s'agit d'un être sensible à la force? On dirait qu'il vit une crise existentielle. Il y a bel et bien conflit. Mais sa nature m'est inconnue. Oh, Bliss vouloir essayer. Bliss rencontrer homme Jedi brillant pendant grosse mission. La dame Colori peut-être voir lui. Parle-moi de ce Jedi brillant. Bliss connaître Jedi brillant bon payeur. Lui embouché équipe de Bliss pour trouver boîte secrète. Bliss demandait supplément pourquoi regarder dans la boîte. Ah, c'était lui. Si grand chef d'accord, Bliss peut envoyer message à Jedi brillant. Peut-être lui vouloir rencontrer grand chef et rejoindre l'équipage. Ça ne coûte rien de parler à ce Jedi. Bliss est trop doué pour trouver les choses et gens. Grand chef pouvoir compter sur Bliss. Bliss allait parler à tout de suite à Jedi Brian. Grand chef, vite venir voir Bliss. Ok. Bah, let's go ça. Alors, Gustano, c'était un allié du contrebandier. Et à l'époque, il était un Jedi, enfin... Même pas Padawan, c'est... les apprentis qui sont à voir, les initiés, voilà, et qui avaient échoué en fait. Et à première vue, entre temps, il aurait recommencé sa formation, à première vue. Et donc, on va donc aller voir Blizzg ici. Oh chef, grand chef, homme Jedi brillant dire lui trop occupé avec chose Jedi important pour parler à Blizz. Mais Blizz trouvait lui quand même. Bliss peut montrer grand chef ou homme Jedi brillant être, et si grand chef veut. Ok Bliss, allons trouver cet homme. Chef ou emmener Bliss sur une lune contrebande à bord de vaisseau. Bliss bien connaître lui pour voir que homme Jedi brillant aime. Bliss entend que Jordir entendra Peppa, mais Bliss veut pas Peppa. Peut-être caché dans le fruit. Je vais te conduire au bar, tu me le montreras. Grand chef, montre chemin. Bliss, suivre. Allez hop, Narshada. Donc, est-ce que monsieur homme Jedi brillant nous l'a fait à l'envers comme il l'a fait durant le let's play sur le contrebandier, je n'en dis pas plus, ou est-ce qu'il a véritablement suivi une formation Jedi? Ce bruit maintenant, grand chef et Bliss chercher homme Jedi brillant, avec tête de poisson. Oh, Bliss voir homme Jedi. Hey, homme Jedi, Bliss vous voir présenter, ami de Bliss. Je ne t'ai pas déjà dit que j'étais occupé? Je n'ai pas d'autres tâches. Hey, ma tête n'est pas mise à prix au moins. Peut-être, Bliss pas regarder. Grand chef cherche grand puissant dans la force. Alors Bliss pensait que grand chef devoir rencontrer homme Jedi important. Oui, bien évidemment, vermine alien. Cette créature stupide est incapable de distinguer un Sith d'un Jedi. Je suis le Seigneur Struction. Alors, je suis Dark Saper Imperius, ancien membre du Conseil Noir. Dark? Je veux dire, c'est un honneur, ô grande meurtrière. Nul doute que je suis indigne de ta présence. Je vais... Hey, Bliss promet grand chef, Bliss trouver homme brillant pour parler avec grand chef. Tête de poisson, atterri, écoutez. Oui, chef. Je suis tout oui, c'est le cas de le dire. Réponds à une seule question. Es-tu vraiment sensible à la force? Oui, ça c'est vrai. Je ne l'ai pas encore utilisé à proprement parler. Enfin, je veux. J'ai toujours voulu, mais la vie de Jedi... Grand chef voir, comme dire dame colorée. Homme avec tête de poisson tout saturé et brillant dans la lumière. Attends un peu. Revenons juste avant que le Jawa insulte les créatures ayant besoin d'humidité. Cet homme brillant, c'est quelqu'un d'important, de respecté?
Je croyais que tu n'avais pas envie de parler. C'est vrai. Enfin, c'était vrai. Mais ensuite, vous avez commencé à parler des visions d'une femme. C'est juste que... Je me disais, et si le destin frappait enfin à ma porte? Qu'il s'était trompé de porte pendant des années, et que le temps qu'il atteigne la mienne, personne n'attende plus de réponse. Je m'apprêtais à abandonner tout espoir d'être formé, et voilà que tu fais ton apparition. Alors pour l'instant, il n'a pas de puissance, enfin de capacité. Il n'a toujours pas pu évoluer, ok? Enfin, évoluer. Débloquer ses capacités, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourra le faire? Encore? Ça fait combien de fois que tu jettes éponge? J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'y ai pensé, mais cette fois aurait été la seconde. Mon dernier abandon a duré un moment. Je devrais te présenter à mon maître. Puisque je suis là. Grand chef de voir parler. Il n'est pas très loin. Tu ne le regretteras pas. Je le jure sur mon honneur de Jedi. Donc il aurait un maître. Trouver le maître de force de Gus. Ok. Le taxi public peut vous conduire à différents endroits. Rejoignez les appartements du maître de Gus. Ok. Maître, vous êtes là? Je ramène de la visite un seigneur noir des Sith. Mais pas de panique. Il cherche à élucider une vision. Et j'étais dedans. Enfin, peut-être. Du coup, nous voici. Par les 6 portes du chaos. Oh, mais c'était sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Bien, autant faire comme chez vous, puisque vous avez perturbé ma méditation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vision? On va commencer à cause d'une Mystic Voice, mais le plus important c'est que je suis à la recherche d'une personne liée à la Force. Fascinant. C'est ça que tu faisais au lieu de réussir la mission que je t'avais confiée? Ben, en fait, quand j'ai essayé ce que vous m'avez montré, la propriétaire a cru que je la volais. Donc, quitte à être traité de voleur, autant y aller franco. Gus, as-tu trouvé ma bière tarisienne? Ah, ce n'est même pas la bonne marque. Recommence. Attends, Gus, j'aimerais qu'il m'explique un peu ta formation. Il était censé user de manipulation mentale pour obtenir une ristourne à l'épicerie du coin. Rien de bien méchant sur le papier. J'y arriverai la prochaine fois. Et je ramènerai la bière tarisienne aussi. Va me préparer mon jus de méditation préféré pendant que je discute avec notre hôte. Je vais préparer votre jus de méditation préféré pendant que vous discutez avec notre hôte. Pourquoi vous intéressez-vous à mon protégé? J'ai besoin de personnes sensibles à la force pour lutter contre l'Empire éternel. Restez à savoir si Gus et vous correspondez à cette description. J'en étais sûr. En l'état actuel, il m'est à peine utile ici. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça pour le prendre. Faisons un pari. Si vous parvenez à inculquer à Gus les us de la force, vous pourrez me demander n'importe quel service. Et si je perds? Dans ce cas, je vous demanderai une faveur. Très bien, je relève le défi. Gus, et ma boisson alors? Toutes mes excuses, maître. Il a fallu que je teste la recette. La 5e, c'est la bonne. Ton ami va participer activement à ta formation. Bien. Maintenant, allez tous les deux me chercher ma bière tarisienne. Voilà quelques crédits. Tu n'auras qu'à t'acheter les boulettes d'oursin que tu aimes tant. Oh, maître, vous n'auriez pas dû. Ce n'est que la moitié du... Je sais. Ok, aidez Gus à trouver de la bière tarisienne et une boulette d'oursin. Bon bah... On va essayer de chercher ça. Retour. Je crois que je suis toujours admis dans celle-là. Tu devrais attendre ici, et peut-être croiser les doigts, et te mettre à couvert. Peur, doute, rancœur, ne les refoule pas. Oula. Peur, doute, rancœur, non. Détends-toi, tu as juste un peu de trac, c'est tout. La manipulation mentale fonctionne mieux si la suggestion est compatible avec la personne.
La domination est la clé, non? Tu es plus finot que ce vieux bloc. La manipulation mentale fonctionne mieux, si la suggestion est compatible avec la personne. Le charisme de l'Angus Tuno est une arme difficile à contrôler. C'est parti! Je ne sais pas ce qui s'est passé. On papotait des derniers championnats de hotball, mais faut croire que notre passion pour les chiens grenouilles ne valait qu'un échantillon gratuit. Je crois qu'il y a un autre endroit potentiel. Les fans des vers de chair sont peut-être plus généreux. À voir. Et donc, ça se trouve pas ici. C'est ici. C'est plus miteux que dans mon souvenir. Mais je devrais éviter de le dire à voix haute. La propriétaire doit rarement recevoir des compliments. Je devrais peut-être commencer par là et voir où ça me mène. Ça te semble juste? Qui suis-je pour te contredire? Non, je crois qu'on s'écarte de ton véritable objectif. Pour maîtriser la force, tu dois faire preuve de concentration et de discipline. Tricher, c'est ridicule. Prends ce qu'il te faut et finissons-en. Non, je crois qu'on s'écarte de ton véritable objectif. Retour aux fondamentaux. Calme. Je suis calme. Je suis calme. Les Jedi sont au courant qu'ils ont l'air stupides quand ça ne marche pas. Viens, ce n'est pas le seul endroit où je peux m'exercer. Alors, le suivant est ici tout au-dessus. Ce serait trop demander que tu laisses les grands dogmes Jedi au placard. Au moins, je suis reparti dignement la première fois. Alors, tu dois te débarrasser de ta peur et de ta gêne. Tu ne vois pas ce que c'est, tu ne vois pas ce que c'est ce qui te freine ? Je ne suis pas un droïde. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et oublier mes émotions. À moins que... Je vais faire semblant d'être un droïde. Et en avant la musique. J'ai essayé, vraiment. Mais elle flirtait avec moi et ça n'arrive jamais. J'ai un pack de bière tarisienne, une holo-adresse et beaucoup de honte. C'est l'heure de vérité. À supposer que la vérité pousse des soupirs et roule des yeux. Bonjour, le maître de Gousse. Blaze. Ah, Solo. Salut, chef. Blaze, qu'est-ce que tu fais là? Blis voulait revoir grand chef. Vieux monsieur Jedi dire chef partir mission avec homme de tête de poisson, alors Blis attend aussi. Vieux monsieur Jedi dire lui fatigué d'attendre, alors lui aller dans le lieu de méditation. Oh, il n'aime pas être dérangé quand il part méditer. Parfois, il part pendant plusieurs jours. Il dit que je ne suis pas prêt pour me joindre à lui. Bon, chef Blis conduire chef et tête de poisson vers vieux monsieur Jedi? J'aimerais bien, oui. Blis faire course avec chef? Oui. Ok. Trouver le maître des forces de Gus. Il se trouve... quelque part. On va le retrouver. À première vue, il se trouve ici, tout en bas. Ça va encore. Dans la cantina. Évidemment. Le lieu de méditation, mon cul, ouais. Mais voilà. Langustino. Je viens ici chaque jour pour trouver la paix intérieure. Et je peux te dire que ce n'est pas grâce à toi. Je n'ai pas trouvé de bière tarisienne. Qu'entends-je? Je n'ai pas trouvé de bière tarisienne. Vraiment? Pourtant, tu avais un instructeur de renom. Je reconnais mon échec. Très noble de votre part. Je m'occuperai de vous dans un moment. Chaque chose en son temps. Je t'ai acheté un petit quelque chose pour te féliciter d'être devenu mon padawan. 3 bouteilles de calamari Xinfar, vieillies en fût de bois flotté. Elles sont stockées au salon VIP. Oh mais c'est... Oh! Navré que vous ayez dépensé vos économies, maître. Tu n'es pas mon padawan? Mais je n'ai pas... Tout ce que tu as à faire, c'est appliquer ce que tu as appris sur le videur Nikto qui bloque le passage. Allez, va! Donc vous vous souciez vraiment de lui? Les imbéciles, comme son ancien maître, ont le chic pour gâcher des vocations. Se modérer, penser par soi-même, tout cela est hors de portée pour eux. Alors ils s'attachent au rigorisme au lieu de trouver eux-mêmes l'équilibre véritable.
Je ne connais toujours pas votre nom, maître. J'aimerais savoir. Qui a dit que j'étais un maître? Je n'ai jamais été adoubé. S'il vous faut un nom, appelez-moi Isaac. Vous me devez une faveur. Je vais le regretter, je me trompe. Vous pouvez y compter. Je veux que vous emmeniez Gus. Il ne pourra guère en apprendre plus ici, auprès de moi. Il a beaucoup de choses à rattraper. Très bien. Je ne serai pas bien loin, bien sûr. C'est mon padawan. Laissez-le profiter de sa soirée. Il l'a bien mérité. Oh, et soyez prudente. Malgré votre expérience, vous n'avez pas idée où vous mettez les pieds. Donc à première vue, on n'aurait pas trouvé... Enfin, on n'arriverait pas à lui... Enfin, Rime deviendrait notre padawan aussi. On ferait déjà notre deuxième padawan. Enfin, même si le premier a terminé, hein, c'était Ashara. Mais lui, on n'arrive pas à lui faire faire utiliser sa force. Toujours pas. Franchement, j'aurais bien voulu justement que la quête lui permette de débloquer justement cette capacité. Mais bon. Bon, voilà, peut-être plus tard, qui sait. Allez, on va rejoindre Sanare et clôturer la quête, je suppose. Alors, Sanare est au-dessus. Par contre, je ne vois pas Gus pour l'instant. Peut-être une fois qu'on aura parlé. Qui sait. Trouver le Jedi différent de tous les autres. Les Jedi maîtrisent la force avec concentration, calme et clarté. Les émotions sont un obstacle. Gus ne suit pas leur voie. Les Jedi voient peut-être ces méthodes comme un penchant vers le côté obscur, mais Gus n'est pas consumé par l'obscurité. Est-il plus subtil? Gus s'est-il trouvé une troisième voie? Certes, son maître a une aversion profonde pour l'ordre Jedi, mais je ne pense pas que Gus suive un chemin vers l'obscurité. Il suit juste sa propre voie. Gus apporte un point de vue unique. Élargir le spectre de l'enclave est une force. En revanche, concernant celui qui a formé Gus, mes visions de lui étaient étranges, floues. J'avais comme l'impression qu'il pouvait me voir à travers mes visions. C'est la première fois que j'ai ressenti cela. J'ignore qui il est, mais il est puissant. Soyez prudente. Merci de l'information. Et donc, est-ce que Gus est ici? Ouais, il est là, parfait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine! Bye!